Salut tout le monde, c'est MLM Bro. Alors je vais vous présenter une toute nouvelle vidéo qui va se porter sur un tuto CAMAS. Donc voici le thème de la vidéo. Donc ça sera sur les doppels avec l'accumulation des doplons. Donc ce sont des petits jetons qu'on gagne en faisant la quête des 15. Oui voilà, ça s'appelle comme ça. Donc je vais vous montrer, là je vais à la classe, j'ai 1800 doplons, 8815 pardon. Alors cette quête est très rapide et très très facile, vous pouvez la faire en moins de 40 minutes à peu près. Elle est très rapide, elle va vous XP plutôt pas mal, je vais dire à peu près, ça dépend les levels, à peu près 60% du level directement. Alors vous pouvez faire plusieurs choses. Plusieurs choses avec les doplons. Donc moi je vais vous montrer comment pas vraiment comment, mais comment les utiliser et comment gagner plus d'argent possible. Donc vous pouvez les échanger en désapprenant un sort, ou là je peux pas le faire, je l'ai déjà fait, en refaisant vos stats à zéro, donc les statistiques pardon. Donc c'est assez rentable. Donc vous allez, moi je vais vous montrer les parchemins. Alors les parchemins, on regarde, c'est sagesse la plupart du temps qui coûte le plus cher. Donc le prix est de prix moyen unitaire 14 000. On regarde celui du dessus qui est à 62 plombs, lui un peu plus, qui est à 24 000. Donc là on voit que on gagne quand même plus en prenant les petits. Donc on va valider pour les petits parchemins. Voilà. Donc on va se faire à peu près 10 000 de plus en utilisant ça. Je regarde pas les moyens ni les grands parce que j'en aurai pas assez et ça sera pas du tout rentable pour cette vidéo. Donc voilà, 90 parchemins, ce qui est assez bien. On va faire dans les quelques presque un million je pense de CAMAS. Voilà, vous allez bon, moi je vais à Bonta, vous allez dans l'hôtel de vente documents. Donc vous le voyez, hôtel de vente documents. Vous allez voir le prix, donc le prix moyen estimé n'est pas vraiment correct. Donc on va voir, hein. Moi il y avait marqué 14 000, donc ça change quand même pas mal. Ça doit être dans les 10 000 de toute façon. Alors hop, voilà, on met nos pare-chaud. Voilà, donc ouais, 11 000, 12 000, donc par 10 c'est plus rentable. On les met à 1 CAMAS en dessous, histoire de vendre le plus rapidement possible. On met nos 9 ventes. Et on va se retrouver avec alors là, voilà, on se retrouve avec 1 169 982 CAMAS en rentabilité, tout ça pour quelques minutes d'XP en faisant la quête. Et vous cumulez, alors aussi vous pouvez cumuler et faire plus facilement de doplons en faisant, si vous ne l'avez pas déjà fait. Peut-être que vous n'avez pas pu le remarquer, qu'il y a des succès pour les doubles. Alors moi je les ai tous faits, donc je vous montre seulement. Donc tout simplement, si vous n'avez pas fait la quête, il y a les doubles normales, donc ils vous donnent 12. Alors à partir de 10 challenges, vous avez 60 doublons, ce qui commence à être pas mal. Si vous réussissez les deux directement, ça va aller très vite. Hein. Voilà, en 5 quêtes, voilà, en une semaine, vous avez plus de 10 000 doublons. Voilà. 600, alors voilà, si vous gagnez tout, vous avez un petit ornement, et 610 doplons, ce qui est vraiment très très rentable, ça peut aller très très vite, vous allez directement, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci, à bientôt.